Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je suis Loïc Tenez, j'enseigne Staps Lacrotel, à l'Université de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui une séquence à partir du chien et du chat, une séquence de yoga. Donc, on va chercher d'abord une position initiale la plus correcte possible. C'est pratiquement tout à angle droit, donc les jambes, les bras, les poignets. À partir de cette position-là, il faut avoir à peu près deux mains d'écart entre les mains et deux points d'écart entre les genoux. Le premier exercice, c'est donc le dos rond pour le chat qui ne va pas être content du tout. En expirant, sur l'expiration, regard vers le nombril, le menton sur le sternum. Et à l'inspiration, au contraire, le regard très très haut, la colonne se creuse au maximum. J'expire. Je repousse sur les bras, j'inspire calmement en tout mouvement de la tête. Ça, c'est l'exercice le plus classique. Chien-chat, c'est-à-dire que le chien est assez content. Le chat pas du tout content, le dos très rond. À partir de ces mouvements-là, on va changer l'orientation des orteils, tout simplement. On va continuer sur une expiration. Une inspiration et l'expiration suivante, on va monter tranquillement, essayer d'aller poser les talons au sol délicatement. C'est notre ambition. Je refais un petit chien-chien entre les deux et je repars dynamiquement sur aller poser. J'essaye de rechercher l'alignement entre les mains, le bassin et les fesses le plus haut possible. Toujours synchronisé avec la respiration, expiration, regard sur le nombril. Pour s'entraîner, on va rapprocher un petit peu ses mains, on va s'entraîner avec donc le chien la tête en bas, on appelle cette position, et alternativement, tranquillement, on va repousser sur les mains, chercher l'alignement, les fesses le plus haut possible et alternativement on pose un talon au sol tranquillement en respirant très calmement. Ça s'appelle aussi le V inversé, c'est un éducatif de la salutation au soleil. Et là vous êtes mobilisation un petit peu des chevilles, vous repoussez le sol avec les mains, il faut vraiment rentrer les épaules, rentrer la tête, regarder le nombril progressivement de plus en plus. On revient ensuite en position du chien tranquillement, on repositionne bien, etc. Et là, on va faire plutôt quelque chose qui va plaire beaucoup au chat. C'est l'oiseau. Donc l'oiseau, donc expiration, inspiration. Et sur l'inspiration, je monte la jambe alternativement droite-gauche. Expire, inspire. On va le mettre dans cette position tranquillement du diamant et essayer de se relâcher, profiter de la posture, des effets de la posture pendant une trentaine de secondes. Laissez tomber les épaules, les bras au sol. Voilà, l'objectif c'est de tenir à chaque fois une trentaine de secondes pour chaque exercice. On vise bien sûr à aller vers la minute, les 2 minutes. Attention, on a la tête en bas, donc c'est déjà une position inversée puisque la tête est plus bas que le cœur et donc ça peut avoir un petit peu de vertige au départ. Donc n'insistez pas trop longtemps sur le chien à la tête en bas au départ et après ça va s'améliorer progressivement, obligatoirement. Je vous souhaite une bonne pratique un peu tous les jours et demain le soleil se lève.